Mélangez les clous de girofle avec le savon à vaisselle et vous serez étonné du résultat. Je ne savais pas qu'avec ces deux ingrédients, cela arriverait. Dans une casserole, nous ajouterons 250 ml d'eau. Ensuite, nous avons ajouté des clous de girofle. Il n'y a pas qu'un seul bon montant. Laissez mijoter environ 5 minutes. Ma famille et mes amis ont été étonnés par les résultats. Une fois ce temps écoulé, voyez comment la teinte de l'eau a changé. De cette façon, l'eau est plus concentrée avec les composants des clous de girofle. Dans un récipient, nous devrons filtrer cette eau, car les clous de girofle peuvent se boucher lorsque nous les mettons dans le flacon pulvérisateur. Une fois cela fait, ajoutons 100 ml de désodorisant domestique. Ici, j'utiliserai le bouchon de la bouteille lui-même. Ensuite, nous allons utiliser le vinaigre d'alcool. Nous aurons également besoin de 100 ml. Le vinaigre est antibactérien et idéal pour éliminer les bactéries et les germes de notre maison. Et enfin, nous allons ajouter le détergent. Utilisez n'importe quel parfum que vous aimez. Ajoutez 2 cuillères à soupe de savon à vaisselle et mélangez très bien le tout. Cette astuce est très simple. Elle est merveilleuse pour votre maison. Chez moi, je ne me prive plus de ce petit mélange. Elia Collade de Aljor de Rui VA a Benjamin Inácio, de São José dos Campos, a São Paulo. Et voilà, c'est prêt. Transférons maintenant ce mélange dans un vaporisateur ou un autre récipient facile à utiliser. Apprenons comment et où l'utiliser. Ma maison n'a plus d'insectes et de mouches, n'a plus la mauvaise odeur de l'urine de chien ou de chat. Les animaux sont adorables, mais ils laissent la mauvaise odeur à l'intérieur de la maison. Ainsi, ce mélange aide à éliminer et à inhiber les mauvaises odeurs à l'intérieur de notre maison. Cela garde ma maison parfumée pendant 24 heures et c'est excellent pour chasser les mouches, les moustiques et les cafards. Vous pouvez l'utiliser à différents endroits de votre maison, tels que le canapé, la table, l'oreiller, les tapis, etc. Vous pouvez également nettoyer votre bureau ou vos meubles avec ce mélange, car il contient du détergent et du vinaigre d'alcool, ce qui est idéal pour éliminer les marques et les taches de vos meubles. C'est également idéal à utiliser lorsque vous laissez votre maison fermée pendant une longue période. C'est une astuce très économique et facile à préparer. Faites-le à la maison et revenez ici pour me dire ce que vous en pensez. Un gros câlin, reste avec Dieu et à bientôt dans la prochaine vidéo.